6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 9h01. Ça va, c'est pas un retard dément. Ah bah oui. Bah oui. On a le temps du coup. Le code. Juste après nous, 10 hits à la suite sur Énergie, il y aura Taylor Swift, Will.i.am et Britney Spears. Nous allons parler de tout ce qu'on oublie de faire, tout ce qu'on ne sait plus faire à cause de la technologie. Oui, nous savons envoyer des SMS très rapidement, mais on ne sait plus écrire. Oh, le drame. On en parle juste après les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, le calme avant la tempête. Le Mistral sera de retour ce soir avec des rafales jusqu'à 90 km/h. D'ici là, on va profiter d'une journée plutôt calme et fraîche. Le mercure ne va pas dépasser les 3 degrés. Il est souvent voisin des 1 degré actuellement. Côté ciel, le soleil sera le plus souvent voilé tout au long de cette journée de mercredi 16 janvier. Après l'épisode neigeux d'hier et des températures qui ne cessent de baisser, les préfets de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône ont décidé hier de déclencher le niveau 2 du plan grand froid. Il est déjà activé dans le Gard depuis lundi. Ce dispositif d'accueil et d'hébergement des sans-domicile fixe est renforcé. Et si vous apercevez une personne en difficulté, il faut appeler le 115. Avignon, capitale européenne du monde équestre. Coup d'envoi de cheval patient aujourd'hui au parc des Expos. C'est la 28e édition. Au programme jusqu'à dimanche, des concours ou encore le gala des crinières d'or. 5 représentations vont être données. Toutes les infos sur le www.cheval-passion.com. L'action Vaucluse est également deux quartiers d'Avignon bouclés hier. Deux alertes au gaz en fin de matinée. Une à Montclar où une conduite de gaz a été rompue par des ouvriers. Deux personnes ont été évacuées et la crèche a été confinée. Un peu moins d'une heure après, place Jérusalem. Là aussi un chantier. Canalisation sanctionnée. Tout est revenu dans l'ordre rapidement après l'intervention des secours. L'enquête de l'Observatoire des drogues, bilan a dévoilé hier. 25% des garçons de 15 ans en France boivent de l'alcool au moins une fois par semaine. On est dans la moyenne européenne. En revanche, les ados français sont les champions européens de la consommation de cannabis. Coup dur pour les employés de Renault. La direction va lancer un grand plan d'économie, autrement dit de suppression de postes. 7500 emplois devront disparaître d'ici 2016, soit 15% des effectifs dans le pays. Pas de licenciement, mais des départs non renouvelés. Aucun site ne devrait fermer en revanche. Pas de nostalgie, cette fois c'est la réalité. Les Verts sont en finale de la Coupe de la Ligue de foot. Saint-Etienne qualifié hier au tir au but face à Lille. Rendez-vous donc maintenant au Stade de France en avril face à Rennes ou Montpellier. Les deux équipes se retrouvent ce soir à 21h en Bretagne. Voilà pour vos infos. 9h04 sur la première radio d'Avignon. Manu dans le 6-9, puis D-Hit à la suite. Bonne journée à vous. Merci de nous avoir choisi pour démarrer cette journée. Merci d'avoir choisi Énergie, Manu dans le 6-9 pour commencer ce mercredi 16 janvier. On est là avec vous encore pendant quelques minutes avec Stéphanie. Toujours là. Oriane au standard. Oui, bonjour. Le reste de l'équipe est là. Salut. Oui. Vous êtes là, vous aussi, avec nous. On est là, on est aussi sur Internet, je vous le rappelle. ManuDansle69.com, c'est le site sur lequel vous pouvez retrouver tout ce dont on parle chaque jour. Il y a aussi nos photos perso, je vous le rappelle. Nos photos perso, chaque jour, on met nos photos à nous, nos photos de notre vie. Vous pouvez nous retrouver, ManuDansle69.com. On est aussi sur Facebook, facebook.com/manudans69. C'est nous qui mettons les statuts à jour. Eh oui, oui, toute la journée, nous aussi on glande. Absolument. Nous aussi on ne fout rien de nos journées. Et d'ailleurs, habile transition avec ce dont je voulais vous parler maintenant. À force d'aller sur Facebook, à force d'envoyer des SMS, à force de passer notre vie sur Twitter, eh bien il y a une étude qui est en train de nous montrer qu'il y a plein de compétences qui sont en train de disparaître. Mais, par compétences, en fait, c'est les choses qu'on faisait avant. Ouais. Et qu'on n'a plus besoin de faire maintenant avec les nouvelles technologies. D'accord, des trucs qu'on est en train d'oublier quoi. Exactement, et ce qui arrive tout en haut de la liste, c'est écrire à la main. Mais ouais. On n'écrit plus à la main. Non mais moi je me rends compte, j'ai régressé, j'écris je crois plus mal que quand j'ai, comme j'écrivais au CP. Maintenant je crois que je peux écrire mieux avec mon pied qu'avec ma main. Ensuite, il y a utiliser un dictionnaire. Maintenant, c'est vrai que moi en tout cas je fais ça. Je veux connaître l'orthographe d'un mot, je la tape dans Google. Bah moi aussi. Et même que Google il dit essayez avec cette orthographe, ça te donne la bonne orthographe. C'est vrai. J'ai plus besoin d'ouvrir un dictionnaire. Pareil pour les encyclopédies. On n'ouvre plus d'encyclopédie. Bon, je vous avoue que j'en avais pas non plus ouvert beaucoup dans ma vie. Mais voilà, on a perdu ça. On n'ouvre plus d'encyclopédie. Tu veux savoir un truc maintenant? Ouf, tu tapes dans Google. Ouais.
Enfin, Google, c'est devenu notre meilleur ami. S'il me fait l'amour, Google, ça devient le truc parfait quand même. Mais moi, j'avoue, je trouve ça triste quand même que, par exemple, on, dans les trucs qu'on oublie de faire, c'est d'écrire les mots en entier. On écrit en langage SMS quand on envoie des SMS. Bah ouais. Mais ouais, mais moi, je trouve ça moche. Bah ouais. Moi, je trouve qu'il faut écrire les mots en entier. Mais on le fait quand même. Bah ouais. Autre chose qui disparaît, c'est le calcul mental. Ah ouais. Attention, on ne calcule plus rien. Bah non, c'est fini ça. 9 x 7, Stéphanie. 47. Non, Oriane. 62, 3, 63. Ouais, c'est ça. Oh, la honte. C'est un jeu de... 47, c'était pas loin. Hein. Mais oui, oui. 6 x 7, Oriane. Ouais, 42. Le ouais pour réfléchir. C'est ça. On n'arrive plus à calculer non plus. Alors, un autre truc qu'on ne fait plus du tout, c'est lire une carte. Ah. Mais maintenant, le GPS. Ah, bah oui. Mais le GPS, c'est Dieu. Oui, on est connu. Mais ça, c'est pas plus mal. Déjà, il y a eu tellement d'engueulades avec les cartes en voiture avec ton mec. Et en plus, ça prenait toute la voiture. Elles étaient énormes, ces cartes. C'était horrible. C'est vrai que pour lire une carte en bagnole, faut que tu t'arrêtes. Tu te gares sur le côté. Tu fabriques deux tables. Tu poses la carte dessus. Et tu la lis. Et enfin, il y a un truc qu'on n'arrive plus à faire à cause de la nouvelle technologie, qu'on ne fait plus, qu'on a oublié de faire. C'est trouver un livre ou trouver quelque chose dans une librairie. Eh ben ça, alors ça, en ouais, revanche, je suis pas d'accord, je ne galère jamais pour trouver un truc dans une librairie. Parce que tu lis souvent toi ? Non, c'est que j'ai réglé le problème, je ne rentre pas dans la librairie. Voilà, c'est ça. Enfin, allez, 9h08, on s'en va, on revient dès demain à partir de 6h. Passez une belle journée. Tout de suite sur Énergie, c'est dit, à la suite. Will.i.am, Britney Spears, hier aussi Taylor Swift. Travaillez, mais pas trop, je vous le rappelle, parce que les experts aussi sont formels là-dessus. Travaillez trop, fatigue. C'est bien connu. Oui. On revient dès demain, on sera en forme. Passez une belle journée. À demain. Tous les matins sur Énergie. Énergie.